Voilà à quoi ressemble le Mekong au Cambodge, et plus particulièrement à Krathié. Krathié, je ne sais toujours pas comment on le prononce. Il y a beaucoup de bancs de sable parce que c'est la saison sèche. C'est ma dernière journée à Krathié. Et aujourd'hui, je découvre cette petite ville absolument charmante à vélo, puisque j'ai traversé le Mekong sur une embarcation avec mon vélo. Trop facile.